Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de fournir à nos chats des activités lorsqu'ils sont éveillés. Imaginez vivre dans une belle maison, mais sans rien du tout pour vous occuper. Ce serait très ennuyeux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour nos amis félins. Allez, découvrons tout cela ensemble. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute! Pour un chat, chaque réveil est une nouvelle aventure. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'humain, de rendre leur environnement stimulant et enrichissant. Jouer avec votre chat au moins deux fois par jour pendant 10 à 15 minutes n'est pas seulement amusant, c'est essentiel pour son bien-être mental et physique. Les gamelles ludiques sont aussi un excellent moyen de stimuler leur esprit. Elles leur permettent de réfléchir et de résoudre des problèmes tout en cherchant leurs croquettes. C'est comme un petit casse-tête quotidien pour eux. Les espaces en hauteur dans votre maison offrent à votre chat une perspective pour observer son territoire. C'est un besoin naturel pour eux de surveiller leur environnement, un peu comme nous aimons avoir une vue dégagée depuis notre fenêtre. Les griffoirs sont également importants, bien sûr. Ils permettent à votre chat d'étirer sa colonne vertébrale et de maintenir ses griffes en bonne santé. C'est une activité quotidienne essentielle, comme l'étirement matinal est important pour nous, et ça protège aussi vos canapés. Enrichir l'environnement de votre chat est donc une question de bien-être. Tout comme nous avons besoin de diverses activités pour rester engagés et satisfaits, nos chats ont aussi besoin de stimulation. C'est une façon de leur montrer que nous nous soucions de leur bonheur autant que du nôtre. Prenez le temps de jouer avec votre chat, de lui offrir des jouets intéressants, des espaces en hauteur et des griffoirs. Cela contribue grandement à leur santé et à leur bonheur. C'est une petite action pour nous, mais un monde de différence pour eux. Merci d'avoir écouté Le Mystère Miaou. J'espère que cet épisode vous a inspiré à créer un environnement stimulant pour votre chat. Prenez soin de vous et de vos compagnons félins, et à la prochaine pour plus de découvertes sur la vie avec nos amis à quatre pattes. Vous souhaitez adopter un chat, ou bien vous vivez déjà avec lui depuis quelque temps? Cyril vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat. Dans son nouveau livre, intitulé L'habitat idéal pour mon chat. Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.